Bonjour, bienvenue sur Banlieue TV. Aujourd'hui, je vous emmène dans les ateliers de Kadi, qui va nous présenter la marque Aphrodisiac Touch. Bonjour Kadi. Bonjour. Alors, peux-tu te présenter et nous présenter ta marque? Alors, je m'appelle Khadijatou Soumaré. Donc, on m'appelle plus souvent Kadi. Je crée des vêtements multi-ethniques, multiculturels. J'essaie vraiment de représenter toutes les mixités ethniques. Je vais plus voir sur une fille à peau mat et d'autres couleurs que je vais plus voir sur des filles à peau très blanche. Et voilà, après, je... Voilà, je m'adapte. Je m'arrête pas qu'à mon teint ou qu'à ma couleur de peau en fait. J'essaie de voir, voilà, je m'ouvre, puis je me dis de toute façon, j'essaie vraiment de prendre des couleurs de toute façon qui restent très agréables et qui peuvent également autant être portées par une fille à peau à tendance plus clair. Voilà, jaune, voilà, le exactement. Crème, etc. Ouais. D'accord. J'aime les couleurs, j'aime utiliser toute forme de matière, toutes les formes, enfin vraiment jouer vraiment avec les couleurs, les textures. Voilà. Depuis quand tu as créé ta marque ? Officiellement, ça fait plus d'un an. Donc voilà, j'ai d'abord commencé par créer mon site internet. Je travaillais de chez moi. Donc c'était assez difficile parce que je devais concilier en fait ma vie de maman et ma vie de femme créatrice d'entreprise. Donc du coup j'ai décidé d'avoir un premier espace dédié en fait à mon travail. Par qui et par quoi tu es influencée ? Je vois le tissu et de là en fait je me dis bah tiens, je le verrais bien porté en robe bustier ou voilà, après j'ajoute vraiment ma petite touche personnelle. Si je veux rajouter un gros nœud, j'ajouterai un gros nœud. Si je veux mettre une ceinture marocaine, voilà, c'est plus dans la tête. Tout se passe en fait dans la tête. Des fois je dors, ou je rêve, ou je me souviens quand j'étais plus jeune, je me disais, oh c'est dommage, j'aimerais bien avoir en fait une veste avec un col haut comme ça, en blanc, tout en blanc, avec une ceinture, je sais pas, dorée et tout. Et ouverte jusqu'au nombril, je te donne un exemple, et je me disais ouais mais je pourrais jamais le trouver dans le commerce parce que bon à part si en fouinant vraiment, mais bon voilà. Comment on porte tes robes? Bah là actuellement c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les vêtements festifs. Je vais adapter en fait ma prochaine collection, donc là ce que je suis en train de faire actuellement, dans des coupes un petit peu plus, enfin qui peuvent se porter en journée, qui peuvent se porter avec un jean, sans aucun sens. Enfin, je veux dire, au niveau des textures, avec moins de strass brillant, et paillettes, quoi, moins de brillants, voilà, de foufous, de brillants, et qui peuvent se porter tout simplement avec un jean en plein été, où on peut aller au bureau avec. Souvent, me filent des chutes où je leur achète des petites peaux et dont je stocke et dont après je vais essayer d'adapter en fonction des tissus que je vais poser, enfin des petites têtes dedans. Enfin, je sais que ça se fait pas trop. C'est la fourrure, mais Madame Bardot va me. Va t'en vouloir. Va m'en vouloir, mais voilà, je trouve que c'est beau aussi de mélanger. On est dans le quartier de la fourrure, donc pourquoi pas imaginer des choses innovantes aussi, parce que de mélanger par exemple du wax ou du basin avec des morceaux de ah ouais, j'aimerais poils, bien voir ça, ça peut ouais. faire joli quoi. Ouais. Donc la fourrure c'est quelque chose qui reste classe. Donc voilà, en hiver pourquoi pas imaginer quelque chose d'innovant. Veste, voilà de fourrure, quelque chose voilà. C'est ton jamais. Mais c'est vrai que j'ai pas mal d'idées. Ça m'a, enfin le fait d'être ici, ça a vraiment stimulé ma créativité. Voilà. Merci de nous avoir suivis. C'était Banlieue TV avec Kadi et sa marque Aphrodisiac Touch. Je vous dis à bientôt. Ciao.